Donc je disais, on était au chemin stratégique. Quand j'ai arrêté de filmer les cimes des arbres, ça a coupé. Donc du coup, je vais refilmer le banc à la con. Voilà, forêt atteinte. Il y en a qui ont de l'humour. Forêt atteinte. Voilà, là, on sort de Saint-Max. Alors, on est à nouveau dans le territoire de Malzéville, en fait. Et là, on est vraiment dans la partie ascension, la dernière partie où c'est bien boisé, quoi. Allez, je remets le combiné dans le dispositif. Bah tiens, d'ailleurs, je vais me filmer moi-même rapidement. Voilà. Voilà, avec la bête là, je coince le téléphone là-dedans qui me pendouille. Je suis un peu à la main. Et ça m'évite d'avoir une crampe. Voilà. Allez, on continue le périple là. Hop. Attention. Tac. Voilà. Cale bien, ça filme toujours, ça filme toujours. Go. Ah oui, il y a des belles fleurs, fais attention. Ah. Alors ici on a coupé des feuillus sur mon site. Si vous voulez des épineux, il faut les sortir dans les Vosges. Enfin, monter par conséquent. Ouais, c'est les feuillus ici, ouais. Encore que, anormalement, au sommet, on aura quelques épineux. Mais c'est vrai que normalement, ils ne devraient pas être là. Ah, il y a des belles fleurs. Alors, faire très attention. Ouais, et bon, voilà, fille de crapaudité. Maintenant, c'est du plat. Ouh. Circuit 17. Alors, on vient d'être là.
Ah, j'en peux plus. Voilà. On continue. On continue. Une petite borne. Oui. C'est peut-être un. Non, c'est pas électrique, c'est des bornes de marquage de chemin. Oui. Des fois, il y a des bornes où c'est électrique. C'est pas électrique. Nous aussi, ils ont presque. À la tête d'orientation. Voilà, on commence à voir le paysage. Oui. Ah là, ça va être beau, vous allez en avoir plein les yeux là. J'adore cet endroit. Et depuis la satanée pandémie, j'y étais pas retourné, alors que j'ai pour habitude d'y aller au moins une fois tous les étés. J'espère que je vais renouer avec la tradition. Je me suis arrêté quelque temps pour regarder le chien. Ouais. Une espèce de grand caniche. Ah, on a creusé, oui, un chien. Ah, je suis mon vilain, moi j'ai. Ah merde! Il n'y a pas de. Putain! Si, il y a un banc! Si, il y en a un! Oh la vache! Il y a un banc, mais il est exposé au soleil. Ouais, mais on voit, avant il y en avait plus, il y en avait un autre là. Non, mais il y a de la destruction, c'est ce que je craignais. C'est la destruction de mobilier. Là, il y avait des barrières, on voit les pieds. Ouais. Tout a été cramé, explosé. Des vandales. Des vandales. Voilà! C'est la fameuse table d'orientation. Je regarde un petit bout d'écran en même temps dans ma sacoche, je vois que je filme à peu près bien au niveau du cadrage. Alors je vous ferai des photos avant de repartir de la pause déjeuner. Et voilà, ah la vache, la végétation a poussé, ouais, c'est vrai oui, qu'en été c'est traître, c'est con. Il y a un ou deux mois et effectivement la végétation a poussé. Ouais. Avant on voyait bien tout. Alors là on a vu sur Essay les Nancy, donc c'est Essay, on voit une grande surface au loin. Il y a l'aérodrome de Nancy-Essay que vous voyez. Au niveau du sol. Et là, on est plus. Ouais. Là-bas. Je sais pas si à un moment je pourrais honteusement, quand il y aura personne, monter sur la table d'orientation, être au perché. Ça aidera un peu, mais je le ferai après le déjeuner, là, parce que je suis claqué. Et là, vous voyez là, un peu Nancy. Voilà. Au loin, on voit une tour. C'est la tour de Ludre. Ça correspond à un autre patelin bien lointain. D'ailleurs, l'autre forêt que vous voyez là-bas au fond, c'est la forêt dite de haies, la forêt de haies. Mais là, on voit Nancy. Alors, il n'y aurait pas autant de végétation, c'est dommage, on pourrait voir la Plastane d'où on est parti tout à l'heure. Sans déconner, on pourrait la voir bien sur la droite. Mais là, c'est trop touffu. Alors, peut-être que j'essaie exceptionnellement de vous refaire une vidéo quand ce sera le retour de l'hiver, qui flappe plus frais et que les végétaux auront pris cher. Là, on voit un peu de Meurthe-et-Mont. Faut pas se le cacher, une ville de gens aisés, si je puis dire. C'est des belles petites maisons, il n'y a pas de HLM là-bas. Petit quartier bourge, enfin ville bourge. Bon, on va couper parce qu'on va s'installer sur le seul banc qui nous reste. Et on va se restaurer. C'est là, j'ai les crocs et j'ai soif. Puis j'ai besoin de me ressuyer. Voilà. À tout à l'heure. Là, je vais couper volontairement. Ah, attention.